La petite pluie qui tombe bien à Neverland, et c'est rare parce qu'on attend de l'eau depuis très très longtemps ici, et on a une belle pluie battante de côté qui est en train de se calmer, et ça fait plaisir parce qu'ici vraiment la terre a besoin d'eau. Ouais, ça se calme. En tout cas, ici on voit l'eau couler à grand flot avec la voiture. Ça fait plaisir. La terre a vraiment besoin d'eau. Puis il y a du vent, on voit les oliviers derrière qui ballottent bien comme il faut. Non, c'est très très important, on a besoin de flotte, hein. La terre est vraiment asséchée. Good morning YouTube. Surprise, surprise, je viens de créer un endroit ici pour en fait mettre mon four. Et c'est génial. Alors avant il y avait la télé, alors tu sais que moi la télé c'est plus un problème. Donc tu vois, c'est largement énormissime. Donc je regarde que des films que j'aime, là c'est Braveheart. Et donc là j'ai retiré, il y avait une espèce de montant là, on voit encore les trous d'origine. Donc il y avait un montant, ici c'était séparé en deux. Et en fait c'était beaucoup de place perdue. Donc là j'ai fait en sorte de récupérer cette place avec mon four cyclonique que tu connais, qui consomme 1300 watts. Donc il est branché derrière la prise de 120 et puis c'est alimenté avec mon système autonome en solaire. Donc là je fais une petite pizza et tu vois j'ai récupéré toute cette place. C'est formidable parce que je peux mettre même de la place tout autour. Je peux mettre des choses. Ici j'ai même mon vidéoprojecteur pour mes soirées cinéma. Et ça change vraiment tout parce que si tu veux, avant ce four, je l'avais mis là-dessous. Et honnêtement, ça me prenait de la place pour rien. Donc là, c'était pas pratique surtout de sortir le four. Parce que je m'amuse souvent à réchauffer, à faire cuire. Donc c'est beaucoup plus pratique. Alors je l'ai scellé. Donc j'ai percé, si tu veux, là, une petite mèche, le pied, si tu veux, le support. Et j'ai mis une petite vis donc qui dépasse un tout petit peu. Ça permet de... Tu vois, c'est totalement fixé. C'est-à-dire que honnêtement, je peux rouler, il n'y a pas de problème. Il est fixé sur les quatre coins. Et ça ne m'empêche pas de le sortir pour le laver dans l'évier. Ce ne sera pas un souci. Même de le sortir pour, je sais pas moi, préparer un repas à l'intérieur avec des légumes, puis après hop je le remets, c'est pas du tout un problème, tu vois, il y a vraiment une marge en hauteur, et puis ça m'empêche pas après de fermer, tu vois. Et puis ici tu as le système rapido où tu as le miroir qui vient se poser ici, voilà, tu vois, ça c'est une fois fermé. Et je suis vraiment, vraiment content d'avoir récupéré cette place. C'était une place perdue. Vraiment, là, je suis vraiment, vraiment content. Je suis ravi d'avoir fait ça. Je vous conseille ce four cyclonique. Je vous le mets en description dans la vidéo. Parce que ça vaut que dalle, ces fours-là. Ça vaut rien du tout. Et c'est hyper efficace. Quand vous voulez, voilà, il n'y a pas besoin de gaz, il n'y a pas besoin de rien du tout. Du solaire, les enfants, et puis voilà, quoi. Là, j'ai ma glacière à compression, la nouvelle. Donc ça consomme seulement entre 35 et 45 watts, tu vois. Hop, petite lumière. J'en ai une autre dans la soute qui fait office de congélateur. Celle-ci, je vous la conseille, je vous la mets en description aussi. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et puis là maintenant, tu vois, je me suis fait cet écran ici avec ce petit meuble.
Et je trouvais ça dans un petit magasin, genre Casa, tu vois. Et donc voilà, donc plus besoin d'avoir une toute petite télé, puisque là-bas j'ai un monstre. Et ça permet de travailler les vidéos sur cet écran. Puis là voilà, le four cyclonique, quoi. Donc vraiment, je vous mets ça en description. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir réutilisé cet espace à quelque chose de sympathique, d'important et de vraiment mieux, quoi. Franchement, quoi. Voilà, tu vois, ça s'allume, ça s'éteint parce que je l'ai mis à 150 degrés et ça l'empêche pas, en fait, de tourner. Donc ça consomme vraiment que quand ça s'allume. Il n'y a pas mieux au niveau économie pour faire cuire, pour réchauffer. C'est vraiment super. Je vous explique même pas les viennoiseries, tout ça. Donc c'est vraiment idéal. Je vous conseille absolument ce four cyclonique. Puis moi, je suis tout content. Hop, regarde. C'est parti. Yes, c'est génial. On se retrouve dans les vidéos. Mettez un petit pouce, c'est bon pour mes référencements. Ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos géniales. Et puis on se retrouve très vite à Neverland, sur le terrain où je vis chaque jour. Ciao ciao tout le monde, merci d'avoir visionné cette vidéo les enfants.